Salut, Malo à la ferme, je suis dans ma chambre froide en ce moment. J'ai une petite crotte qui crie au diable. Je comprends pas trop pourquoi, hein? Les enfants, ça crie jamais. Mais bref, j'ai pas eu beaucoup de vidéos de sortie dernièrement, puis je me suis fait demander dans mon dernier live comment se portaient mes patates puis mes affaires dans la chambre froide. Fait que mes patates, ils se portent bien. Je m'en viens chercher justement une récolte. J'ai encore un zucchini du jardin, puis on est au mois de février, là. C'est fou, là. Ça se conserve très longtemps, là. C'est surprenant. Fait que je voulais vous montrer ça. J'ai mes canages ici. J'ai des soupes, j'ai des carottes. J'ai pas vraiment énormément d'affaires de canner parce que, en fait, j'ai beaucoup congelé des affaires dans mon congélateur. Fait que, tu sais, toutes mes fèves, mes brocolis, ces choses-là, je les ai blanchies, je les ai mis au congélateur. J'ai comme une petite réserve en arrière ici. La température se porte pas mal en dessous du 10 degrés Celsius ici. Tu sais, c'est à peu près 7 degrés. Fait que, tu sais, c'est vraiment une bonne température. Puis comment que ça fonctionne? Ben, j'ai des trappes d'air. J'en ai juste un ici. Sauf que, dans le fond, l'air chaud, elle monte. Et puis l'air fraîche, elle reste ici. Fait que c'est vraiment intéressant comme chambre froide. C'est 12 par 12. J'ai pas tout à fait fini de l'isoler, mais je pensais que ça serait pas pire de vous le montrer. Fait que, tu sais, en haut ici, je vais finir. Une fois que ça va l'isoler un petit peu plus ici, là, ça va être encore mieux côté facteur d'isolation, là. J'ai fait une gaffe avec mes oignons. Quand il était rendu temps de récolter, j'ai tout récolté mes oignons, je les ai fait sécher dans la serre, je les ai laissés là, puis j'allais me servir de temps en temps, tu sais. Puis, je les ai laissés là. Ça l'a gelé fort, très fort. Ils ont tous gelé. Fait que là, ils sont dans ma serre, dans un panier. Gelé. Fait que je les sors de temps en temps, mais honnêtement, cette année, c'est la première année en quoi, 3 ans, que je vais en acheter. Fait que j'étais très triste de ça. Mais bon, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Faut toujours assumer qu'il va y avoir un pourcentage de perte dans nos affaires. Et puis cette année, ben, c'était mes oignons. Fait que j'en ai commandé d'autres chez justement WH Perron, une variété hybride rouge et blanche. Et puis je vais ressemer les graines que j'ai eues aussi de mes oignons cette année. Mon ail, je le garde à température pièce sur mon installation de semis, en fait, là. Il reste ici tout l'hiver. Il se porte super bien. Il n'y a rien de germé. Tout est bien sec. J'ai récupéré des tomates. En fait, c'est les gourmands de mes plants que j'avais cet été. Je les ai hivernés là-dedans. Fait que là, je vais les transplanter. Je vais les repartir. Fait que ça, ici, c'est des choses qui poussent. Et puis, j'ai aussi du stevia. Mon galon près de mon petit coin d'herbe. En fait, j'ai un petit coin café, tisane et tout ça. Et j'ai du stevia ici. Et puis ça ici, là, quand elles sont vertes, les pousses, jeunes pousses, c'est très, très, très sucré. Donc mes enfants, ils en raffolent. Quand j'ai une petite rage de sucre, je prends une petite feuille, je le mange. C'est extrêmement bon. Super sucré. Vraiment bon. Donc, c'est ça, les semences, ils vont commencer très bientôt. Fait que je vais sûrement recommencer bientôt dans mes vidéos plus de jardinage. J'ai pas reçu toutes mes semences encore. Donc, il me reste encore mes semences de Licoumène et de WH Perron. Tout a du retard cette année. C'est vraiment assez épouvantable. Fait que, écoute, quand que ça va recommencer puis je vais commencer mes semis, ben. Je vous reviens avec des vidéos de comment que je pars toutes mes affaires. Puis on a des gros plans. On va regarder pour se faire une serre solaire passive, soit attachée à la maison ou soit détachée. On n'est pas encore décidé à 100%, mais on va commencer à aller chercher du bois pour scier et puis pour nous construire ça. J'ai vraiment hâte, là. Fait que sur ça, je vous dis à la prochaine et puis c'est ça. Salut!